rentre sur l'autoroute et ça fait. C'est parti! J'ai fait une augmentation de salaire. Pour ma psychologue, ça. Bonjour! Hey, bonjour! On se présente? Ou tu on crois se présente. Que... Vas-y, tu commences, c'est toi qui l'as dit. Je suis Céline. Donc, je m'appelle Ophélie. Je travaille à la maison tricotée depuis un peu plus qu'un an maintenant. Et je donne présentement le cours d'initiation, mais je vais vous annoncer un nouveau cours que je vais donner. Ben moi, je m'appelle Céline. Je travaille à la maison tricotée depuis... non, j'en suis la propriétaire, je suis là, voilà, je l'ai géré, je l'ai gesté. Donc voilà, et bon, moi je vais vous donner ben, plein de cours aussi, on va s'en parler. C'est à toi. Je suis Clara, je ne sais pas si la caméra c'est où, c'est là. C'est là, ok. Vas-y. Je suis Clara, je suis plus ancienne. Je suis Clara, je suis la plus ancienne employée de la maison tricotée. J'ai commencé à travailler ici même avant Céline. D'accord? Parce que c'est moi qui ai ouvert la boutique le 13 septembre 2013. C'était moi. Moi, j'étais ici avant elle. Donc, c'est ça. Ça fait 7 ans que je suis ici. On commence avec le Rebel Stone. OK, donc oui. C'est moi qui commence? Vous pouvez vous enlever les filles. Bon, allez, zou. Zou. Wow, okay, zou. Mais faites de la place. OK. Oh. Bon, alors... Qu'est-ce que je vais vous enseigner? Alors, plusieurs pulls, ça va être un petit peu le programme de cette session. Donc, j'ai commencé avec le Ravel Stone. Le Ravel Stone, c'est un pull qui est designé par Isolde Attig. La raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que c'est un pull qui a énormément de détails. C'est ce que j'appelle un pull haute couture. C'est un basique à la base. Isolde Attig, c'est une de mes designers préférées parce qu'elle est extrêmement précise. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans le Ravel Stone? On va voir notamment comment faire des rangs raccourcis au niveau de la poitrine si, justement, vous avez l'impression que mettre un pull comme ça, ça ne vous avantage pas, que ça fait un petit peu tente. Donc, c'est vraiment un pull qui est très, très bien découpé pour le corps des femmes. C'est un pull qui est assez ajusté. Il est cintré sur les côtés, il est cintré aussi dans le dos. Le travail d'Isolde Attig, c'est un travail de très, très grande précision. Donc là, j'en ai un que je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est son Ravel Stone. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un magnifique cintrage sur les côtés. Il y a une option pour avoir une encolure ronde ou en V. Et puis, il y a aussi du cintrage dans le dos, ce qui existe naturellement pratiquement jamais, puisque ça demande énormément de travail. C'est un bottom-up. Il est commencé par le haut et tricoté en rond, puis ensuite, il est remonté vers le bas. Et ensuite, c'est très intéressant, il y a tout un travail en rond des manches avec des rangs raccourcis aussi pour vraiment un magnifique rendu. Donc, c'est vraiment un basique qui va vous apprendre vraiment beaucoup, beaucoup. C'est une pièce que moi, j'adore vraiment. Il va se faire en quoi? Alors, à la base, le Ravel Stone, il est fait avec ce qu'on appelle une laine diquée, le type de laine qui se tricote sur des aiguilles 3,5 à 4 mm. Moi, je l'ai commencé, évidemment. Il faut que je prenne un peu de l'avance parce qu'il va y avoir beaucoup de cours. Donc, vous voyez, je l'ai commencé. Et je vais utiliser la Woolly Mammoth. Alors, la Woolly Mammoth, c'est une de mes laines préférées. D'ailleurs, j'ai fait un autre patron de Isolde Attig avec. J'ai fait son superbe petit cardigan Stockbridge. C'est une laine, personnellement, c'est vrai qu'elle est... elle est assez dispendieuse, elle est luxueuse, puisqu'elle est teinte avec des teintures végétales et avec des races de moutons qui sont assez rares. Donc voilà, moi j'ai utilisé la Woolly Mammoth en diquée. Mais si vous avez envie d'essayer autre chose, je vais vous conseiller notamment la Ulysse de Dererum Natura. Je vais vous conseiller aussi la Pénélope, le mélange Mérinos et soie de Dererum Natura qui va être super doux. Hein, si vous avez la peau très sensible, la Pénélope, ça sera parfait. Donc Ulysse, la Pénélope, les deux dans la Dererum Natura, la Woolly Mammoth, ça va être l'Alpaga Merino, mais on n'en a pas beaucoup. C'est pour ça que j'en en parle pas beaucoup. Donc celle-là, vous pouvez aussi tout à fait vous amuser à doubler un mohair
avec un petit mérino sessois. Ça, je vais en parler souvent dans les cours que je vais vous proposer. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus fluffy, ça va très très bien fonctionner aussi. Donc ça, ça va être le Ravelstone. Nous allons avoir un total d'à peu près 11 cours. On va y aller progressivement puisque c'est des aiguilles qui sont quand même assez petites. Donc on va y aller vraiment morceau par morceau pour être sûr que vous puissiez remplir vos devoirs d'un cours à l'autre. Voilà. Donc c'est un patron qui est en anglais. Il va être entièrement traduit pour vous en français. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez, si vraiment les patrons en anglais, c'est pas votre truc, ne vous inquiétez pas, ça va être entièrement traduit par mes soins lors du cours. Pour pouvoir réaliser ce patron-là, il faudra aussi que vous achetiez le patron de Isolde Attig sur Ravelry. Donc ça va s'appeler le Ravelstone Decay. Faites attention puisqu'il y en a un qui est en fingering et en Decay. Il y a deux options. Donc vous devez prendre le Ravelstone Decay, donc c'est important. Les aiguilles proposées, c'est du 3,25 et 3,75. Sur le patron, par rapport à votre buste, vous aurez les quantités de laine nécessaires, mais vous pouvez nous appeler en boutique et nous allons vous aider là-dessus sans aucun problème. Voilà. Au niveau du niveau. Hein, c'est beau ça, comme... voilà, au niveau du niveau. Je pourrais vous dire qu'on va vraiment découper ça. Donc, si vous n'avez jamais fait de pull en rond, si vous n'avez jamais travaillé en rang raccourci, ben c'est l'occasion d'apprendre, d'accord ? Ce qu'il va vous falloir comme notion de base, ça va être de savoir tricoter à l'endroit, tricoter à l'envers et monter vos mailles. Pour le reste, c'est vrai que... on va le voir ensemble. Si vous pensez que vous êtes ambitieux, que vous n'avez pas peur d'essayer, ça va, vous pouvez tout à fait vous embarquer. On va vraiment, vraiment décortiquer. Donc, on va voir énormément de techniques. Ce n'est pas un débutant qui a jamais tricoté de sa vie, ça c'est sûr. Mais si vous avez déjà deux ou trois projets derrière, ça va être parfait. C'est un bottom-up ou top-down ? C'est un bottom-up. Sans couture. Sans couture, tout à fait. Est-ce que j'ai d'autres questions là-dessus ? Peut-être quelques questions aussi sur... Bottom-up, oui, de bas en haut. Hein. C'est un bas en haut, tout à fait. Et sans couture. De partout, ça va être un sans couture. Si tu veux passer au châle... Alors, on va passer au châle, parfait. Alors, le châle, j'ai mis... Ah, voilà. Alors, après avoir enseigné le magnifique Out of Darkness, qui était un beau châle d'inspiration victorienne et perlé, je vous avais promis, mes élèves et puis ceux qui peuvent nous rejoindre, nous allons faire un châle d'inspiration estonienne, un patron gratuit d'Elizabeth Freeman qui avait été délivré il y a quand même maintenant presque une dizaine d'années, 2005 je pense. Donc, le laminaria, voilà la bête. Donc, il y a deux tailles. Donc, c'est un magnifique, magnifique patron de dentelle estonienne. Nous allons retrouver le point d'étoile, le fait de tripler, sextupler même les mailles. Puis, évidemment, un petit rabat à l'estonienne en fil double. Alors, le niveau pour un châle comme ça, alors là, définitivement, c'est un niveau avancé. Si possible, il va vraiment avoir déjà fallu faire de la dentelle. Comprendre ce que c'est qu'un jeté des diminutions. Si vous avez déjà fait au moins un châle en dentelle, lancez-vous encore une fois. On va énormément décortiquer, faire des exercices pour pouvoir le comprendre. D'accord ? Donc, je vais vous donner un maximum d'outils pour pouvoir vous en sortir et bien comprendre. Donc, n'ayez pas peur non plus. Il y a deux tailles dans le laminaria. Il y a la petite taille qui va vous demander 400 mètres de fil à dentelle. Et il y a la grande taille. Alors là, ça, c'est un fil très fin. Donc, il a l'air moins grand. Mais je peux vous promettre qu'avec un fil un peu plus gros, il serait gigantesque. Ça, c'est la grande taille. D'accord ? Dans la grande taille, il va vous demander 1200 mètres. Donc, c'est vraiment un grand, grand châle. On peut tout à fait l'imaginer d'ailleurs comme un châle de mariage. Et puis, ce que je vais vous conseiller comme laine, alors j'attends, malheureusement, elle n'est pas arrivée à temps, mais elle arrive à la fin de la semaine prochaine, j'attends la Marrakech, un très très beau mélange de 70% de soie avec 30% de bébé chameau.
Ne vous inquiétez pas, aucun animal n'a été blessé dans, dans le processus, hein, c'est juste le poil. Et donc c'est très doux, puis c'est un 700 mètres au 100 grammes, j'attends vraiment beaucoup de couleurs. En attendant, qu'est-ce que j'ai si vous voulez là tout de suite prendre de la laine? J'ai la fleece que j'adore, donc ça vous pourrez la retrouver sur le site internet. Donc la fleece étant un mélange de 65% de soie, 35% de lin. Le lin, c'est une de mes matières favorites pour la dentelle parce que ça bloque, mais genre comme un insecte qui s'écrapoutit sur la vitre d'une voiture pendant sur l'autoroute. Hein. Voilà, donc ça marche super bien. Ensuite, vous avez, bien sûr, j'ai plusieurs soies qui restent à la maison, tricotées. Notamment la Sea Lace. Il y en a qui rigolent, je les entends. La Sea Lace et la Sea Silk. Donc, j'ai quelques soies qui restent à la maison tricotées qui peuvent aussi fonctionner. Si vous êtes une vraie tricoteuse aguerrie qui aimait, qui adorait le mohair et soie, c'est une excellente, excellente option. Mais attention, évidemment, bien plus complexe à tricoter, mais je veux quand même en parler. Pour en avoir fait un en mohair et soie, c'était une pure splendeur. D'ailleurs, je me le suis fait voler, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, mohair et soie, évidemment, extraordinaire option. Ça tient très bien, c'est super, super aérien. Mais si vous n'avez jamais travaillé avec ça, si vous êtes une... moyen en dentelle, n'allez pas là-dessus, c'est sûr. D'accord? Donc, plusieurs soies qui restent encore à la maison tricotées, on peut vous aider en boutique, mais je reçois une belle cargaison de Marrakech, 700 mètres au 100 grammes, donc il vous faudra soit un écheveau pour la première taille, soit deux écheveaux pour la taille la plus grande, à partir de la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que tu penses que c'était le petit ou le grand? Ah, ça c'est le grand, mais attention, c'est parce qu'il a été tricoté avec un fil qui est aussi fin que du fil à coudre, puisque c'est la Lace Silk à 900 mètres 100 grammes. Donc ça c'est la grande version, mais je peux vous promettre que dans les fils que je vais vous faire tricoter, il va être encore plus grand si vous faites la grande version, d'accord? Donc j'expliquerai la petite version. La grande version est très simple, puisque c'est simplement de répéter une charte que je vais expliquer, d'accord? Donc voilà, je vais laisser la place à Ophé. Oui. C'est à Ophélie. Ouais. Je vous retrouve tout à l'heure. Yes. Alors, le cours que je vais donner, ça va être un cours pour faire les Wanderer's Slippers. On a juste ici de... J'allais le dire, Ben! Alors, les Wanderer Slippers, c'est un design de Andrea Mori, qui est une designer super connue dans le monde du tricot. Là, Ben, ça suffit. Qui ne connaît pas Andrea Mori? Alors, celle-ci, c'est la paire de Catherine, en fait. Catherine qui travaille à la maison tricotée, qu'elle a faite en rosy. Donc, je vais vous montrer toutes les options de laine qui peuvent être prises. C'est vraiment un patron qui est assez simple. Pas besoin d'avoir fait du jacquard avant. Donc, si ça peut être, si vous voulez que ça soit votre première expérience de jacquard, ça peut fonctionner. Pas besoin non plus d'avoir déjà fait des chaussettes. C'est vraiment un gros tube sur lequel on va ajouter un talon. Donc, on va voir la technique du afterthought heel. Je dirais qu'en termes de prérequis, peut-être avoir déjà tricoté un peu en rond. Donc ça, c'est un projet qui est fait avec des aiguilles double pointe, comme ça ici. Donc déjà avoir vu ça auparavant. Sinon, maille endroit, diminution, mais ça reste quelque chose qui est vraiment simple à réaliser au final. Alors, pour ce qui est des laines qui peuvent être utilisées, on a la rosy. Comme Catherine a utilisé. Pendant le cours, je vais faire ma propre paire de Wanderers avec ces couleurs-là ici. Ce ne sont pas les couleurs... C'est un hasard si c'est les couleurs des Gryffondors, OK? Regardez. Donc, la rosy, qui est un mélange 50% BFL, 35% mohair et 15% polyamide. Donc ça, c'est la couleur Abigail et on a la couleur Madame Cadibas. Sinon, n'importe quelle laine de grosseur worsted va fonctionner. Donc, à la maison tricotée, nous avons aussi la Casa. Là, je vous ai fait des petits mix de couleurs qui peuvent être pris. Donc, la Casa qui est une laine vendue au poids ou sinon la Gilliatt peut être super jolie. Ça prend une balle de chaque couleur.
pour ce qui est de la casa, 100 grammes de chaque couleur. Mais tous les détails vont être dans la description du cours. Et la rosie, à peu près 80 grammes de chaque. Donc voilà, le cours va être divisé en 5 séances. Déjà début janvier, vous allez avoir les pieds et les mollets bien au chaud. Donc franchement, les pantoufles en Fentex peuvent aller se rhabiller. Hein? Et voilà! Donc si vous avez... Oui! Pour les débutants de ton cours d'initiation, oui. C'est une bonne appropriée? Je dirais que si le cours d'initiation, c'est vraiment leur première expérience en tricot, peut-être pas. Je conseille vraiment d'avoir déjà travaillé avec des aiguilles double pointe avant. Par contre, pour les gens qui me regardent, qui font le cours d'initiation en ce moment, Céline va parler d'un cours pour créer sa tuque. Donc ça, c'est un cours pour vous. Mais sinon, ça reste, je dirais que c'est débutant slash un peu intermédiaire. Genre, t'as déjà 2-3 projets de fait, là. Si t'as déjà fait une tuque, tu peux faire ça. Voilà. Merci. C'est bon? Clara. Allô! Ça va bien tout le monde? Moi, je suis Clara. Je suis la plus ancienne ici, je suis encore prof. Oui, je suis la plus ancienne ici, désolée. Alors, on va sortir un peu de projet et on va parler des techniques. Donc, moi, je suis brésilienne, je n'avais jamais vu vous qui tricotez comme ça, avec la main droite, avant YouTube. Donc, je tricote avant YouTube. Et moi, j'ai toujours tricoté avec mon fil dans la main gauche et comme ça, je peux faire les mêmes affaires que vous, en droit, en vert. Pourtant plus vite. Il y a avec moi des mouvements. Vas-y, dis-moi, combien de temps pour faire ça? J'ai pris 8 jours pour faire mon uniforme. Il y a tant que c'est un uniforme long avec poche. OK? Ça m'a pris 8 jours pour faire ça, 4 jours pour faire ce châle-là. C'est un châle de Gerald Flood. Ouais. Je tricote plus vite et principalement parce que je tricote avec ma main gauche. Donc, on va faire ça super lentement. Je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont demandé ça sur ma compte Instagram et j'ai décidé d'écouter vos prières. OK? On va faire ça ensemble. Donc, premier cours, on va apprendre à tricoter à l'endroit, doucement, tranquillement, sans que personne vous regarde et je vais répondre toutes les questions avec beaucoup de détails. D'accord? Deuxième cours, on va jouer, on va tricoter, on va apprendre à tricoter la maille à l'envers, puis on va mélanger avec la maille à l'endroit. Et troisième cours, là, on va parler des jetés, on va parler des diminutions, on va parler d'augmentation et travail avec deux couleurs, d'accord? Travail en jacquard. Ces cours-là, ce n'est pas un cours pour les débutants. Bien sûr qu'un débutant, parce que je ne vais pas montrer exactement comment faire la maille à l'endroit, ça ne change rien. Je vais montrer une autre technique de tenir les fils et pouvoir avancer plus vite. Donc, je ne vais pas rentrer dans les petits détails pour les gens qui ne savent pas encore tricoter. D'accord? Donc, il faut savoir tricoter un tout petit peu, même que si vous savez déjà faire la maille à l'endroit, la maille à l'envers avec la main droite, vous pouvez suivre ce cours-là. C'est bon? Des questions, Ben? Non. OK. En fait, peut-être juste le matériel qu'on aurait besoin. Matériel, OK. Pas besoin de se préoccuper trop. Je vous suggère une aiguille médium entre 4 et 5, un fil worsted. On ne va pas travailler sur un projet, comme j'ai dit. On va simplement se pratiquer. À la fin du cours, je peux suggérer quelques projets faciles pour que vous puissiez continuer à se pratiquer quand le cours aura fini. Ça va bien? Super! Merci. Céline, reviens! Merci. Bonjour. Cumulus Blanc. Je vous manquais, hein? Alors! OK, donc, on enchaîne sur le Cumulus Blouse. Alors, c'est un pull de Petite Knit. Donc, Petite Knit qui est très, très, très connu. Petit pull que je dirais encore une fois dans les basiques classiques, ce qu'on va toujours mettre. Alors, j'en ai déjà tricoté un, ça tombe bien. Ça va vous montrer un petit peu toutes les options que l'on a. Donc, le pull Cumulus Blouse, voilà, c'est un... Voilà, c'est un petit V-neck, un pull en col en V. Alors, les broderies, ça, c'est moi qui me suis amusée après. Hein, ça n'a rien à voir. Mais le pull, voilà, il est comme ça. C'est un petit peu...
Alors, il y a une aisance assez confortable dedans, mais vous pourrez tout à fait choisir le type d'aisance que vous voulez. Je vous expliquerai ça, ne vous inquiétez pas. Il a une finition intéressante, ce qu'on appelle une finition en high cord sur l'écolle, sur les manches et sur la bordure. Donc, c'est une finition qui va être très intéressante à découvrir. Vous allez aussi voir, évidemment, comment travailler un pull top-down, excusez-moi, donc commencer par le haut et qui descend. Il n'y a pas de couture à nouveau, donc c'est un pull tout en rond. À la base, petite Nitz, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend deux pelotes de mohair et soie. Et c'est d'ailleurs dans ça que je vais faire le deuxième. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà commencé pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, à la base, il est très, très aérien, ce petit pull. Voilà, là, ça va être avant de joindre pour commencer le V. Le V est en train de se former. Donc là, j'ai donc doublé deux soft silk mohair. Et ça donne ce côté super, super dufteux. Voilà. Donc, beaucoup plus aérien. Chaud, hein, ne vous inquiétez pas. Le mohair, c'est très, très chaud. Après, si vous voulez d'autres alternatives. Donc, celui que j'ai fait, le bleu marine que je vous ai montré, j'ai mélangé un fil à chaussettes et un fil de mohair. Donc, on peut tout à fait s'amuser un peu comme ça. Là, vous voyez, je suis en train de faire un autre pull où j'ai mélangé un fil single ply de tweed de la maison tricotée avec, pareil, un petit fil de mohair. Donc, on a, j'adore en fait ce petit mélange. Ça donne une profondeur, puis il y a plein de petites paillettes qui se mélangent. Donc, si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus dense que simplement 100% mohair, ça fonctionne super bien. Vous voyez, donc là, je suis avec la tweed single de la maison tricotée que j'ai mélangée avec un petit mohair. Ça fonctionne merveilleusement bien. Évidemment, on peut aussi aller avec la rosie de la maison tricotée, donc puisqu'elle est déjà doublée laine avec mohair. Donc ça fonctionne. Elle est déjà... voilà. Ça, c'est notre fil velours. C'est une matière précieuse, hein, définitivement. Et puis, on a vraiment un aspect velours qui apparaît. Je porte le châle Dunas, d'ailleurs, qui est tricoté avec la rosie. Et une fois que vous l'avez au cou, vous ne l'enlevez plus. C'est fini, terminé. Si vous voulez vraiment une option genre, je veux du gros doudou, je suis quelqu'un de super sensible de la peau, alors je conseillerais la Double Soft de chez Knitting for Olive. C'est un pur mérino qui, écoutez, le toucher, c'est vraiment comme un petit nuage. Toucher cachemire, c'est super doux. Par contre, attention, un petit peu plus fragile, c'est là que votre gliner, hein, la trappe-bouloche, va fonctionner quand même un peu au début. J'en ai un, vous voyez là, je vais vous montrer, j'ai le Felix Cardigan que j'ai fait avec. Donc, vous voyez, ça bouloche un petit peu. Ça, j'aime bien quand même l'annoncer. Donc, c'est pas grave. Hein, on prend un gliner et on nettoie. Souvent, hein, les alternatives les plus douces, comme les cachemires, les mérinos très, très doux, attention, c'est vrai qu'ils boulochent. Donc, ils vont demander un petit peu d'entretien au départ avec votre pull. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre comme alternative? Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai montré. Oui. La Double Soft fonctionne très, très bien. Évidemment, la Gilliatt, j'en ai attrapé. Écoutez, j'ai déménagé la moitié de la boutique en haut pour montrer un petit peu. Voilà, évidemment, la Gilliatt va être une super belle option aussi. Donc, 100% mérino. Alors, elle a un petit côté un petit peu plus rustique, mais ne vous inquiétez pas, elle est douce aussi. Mais c'est vrai qu'elle a un côté un petit peu plus rustique puisque c'est un mérinos qui n'est absolument pas traité. Mais moi, je l'aime beaucoup. Ça serait une super belle alternative aussi. Donc, définitivement, vous pouvez y aller sur la Gilliatt et vous pouvez aussi y aller sur la tweed sans problème. Voilà, donc c'est des très, très belles alternatives pour le cumulus. En fait, il y a beaucoup d'alternatives pour le cumulus puisqu'on peut joindre des fils ensemble ou aller y aller directement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a après le cumulus? Eh bien, un de mes triptyques préférés puisque c'est le cours de design pour les accessoires. Alors, qu'est-ce que c'est le cours de design pour les accessoires? Alors, sachez qu'en fait, créer un bonnet, créer une paire de mitaines et créer une paire de chaussettes, eh ben, c'est vraiment facile. Et oui, si je vous le dis, croyez-le-moi.
En fait, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre ? Il nous faut comprendre un petit peu comment est-ce qu'on prend des mesures et quelles sont les mathématiques de base à appliquer. Et vous inquiétez pas, hein, c'est pas les mathématiques de Einstein, bien loin de là. C'est vraiment des mathématiques de base que vous appliquez à l'épicerie quand vous avez compris que si une canne de sirop d'érable coûte 9$, deux, elle en coûte 18. Eh bien, c'est la même chose dans le tricot. Donc, je vais vous apprendre à appliquer les mathématiques de votre quotidien sur vos accessoires. Nous allons avoir trois cours qui se suivent, qui sont trois cours, trois modules différents. On va commencer par la tuque. Donc, c'est un petit peu des cours qui vont grandir en difficulté, entre guillemets, puisque la tuque, c'est le plus facile. Vous êtes un débutant, vous n'avez jamais tricoté en rond. Ce cours-là, il est pour vous. C'est un énorme... C'est vraiment un super cours pour commencer, pour comprendre comment sont faites les tuques. Et à partir de là, vous pouvez aller vous balader sur la rue Sainte-Catherine et regarder des tuques qui sont faites dans des matières mochouillardes, acrylico, blablabla. Et vous allez pouvoir les faire dans des très très belles matières. Vous pourrez copier le point, je vous le promets. Et ça va aller sur n'importe quelle tête. Avec n'importe quelle laine, d'accord ? Donc, l'avantage aussi, je vais vous montrer non seulement comment faire une tuque, mais je vais vous montrer les options. On va voir comment rajouter des oreilles, si vous voulez vraiment avoir le côté un petit peu péruvien, puis bien protéger les oreilles. Je vais vous montrer comment la doubler, ça c'est vraiment génial. Comment on fait deux tuques qui deviennent complètement réversibles. Et je vous promets que mes enfants, à l'époque, quand ils faisaient moins 20, ils étaient bien contents de pouvoir avoir une tuque doublée. Donc on va voir plusieurs options, comment finir en haut, comment rajouter des petites choses. Donc c'est un super bon cours. Si vous n'avez jamais fait de tuque, c'est un cours génial. Si vous avez déjà fait des tuques, c'est un bon cours aussi pour comprendre comment passer à l'étape supérieure et créer votre propre tuque. Après la tuque, qu'est-ce qu'on va voir ? On monte un petit peu d'intensité sur le travail de design et on va travailler sur les mitaines. Alors évidemment, on ne va pas travailler sur les mitaines en jacquard, mais on va comprendre comment est construite une mitaine. On va comprendre comment designer une mitaine avec n'importe quelle laine pour n'importe quelle main. Donc, on va voir la base, les poignets, comment on crée un gousset, comment on fait le haut. Et on va voir aussi toutes les options qui sont derrière. Et oui, vous voyez cette petite tresse-là, ce qu'on appelle la tresse estonienne, super cute moyen de commencer une mitaine. Eh bien, on va voir ça. Comment doubler une mitaine? Eh bien, on va voir ça. Comment avoir une mitaine avec un flap? Ouh, ça gratouille. Avec un petit flap qui se referme comme ça quand vous voulez sortir votre passe de métro. Eh bien, on va voir ça. Donc, la mitaine... toute la base, toute la technique pour la comprendre, mais aussi toutes les options pour pouvoir s'amuser dessus, eh bien, ça va être ça. Aiguille double pointe, laine worsted, c'est ce que je vais vous recommander. Hein, on va designer, pareil, avec des aiguilles moyennes, de la laine moyenne, puisqu'on veut quand même aller assez vite. Donc, ça va être le plus pratique. Après, vous pourrez jouer avec n'importe quelle grosseur de fil. Ne vous inquiétez pas. Tout sera expliqué, évidemment, dans le cours. Donc, mitaine. Si vous avez suivi le cours de bonnet, on enchaîne directement avec la mitaine sans aucun problème. D'accord ? Puis, quand on a terminé avec la mitaine, eh bien, on va attaquer les fameux bas. Alors, les bas, vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Pareil, si on a compris la mathématique et l'architecture d'un bas, eh bien, sky is the limit. Donc, j'ai pas de bas ici parce que j'en ai pas trouvé. J'aurais dû aller chercher dans mon armoire. Est-ce que j'en porte un ? Non. Donc, j'aurais dû aller chercher dans mon armoire. Mais, pareillement, on va apprendre comment faire des bas pour n'importe quel pied, avec n'importe quelle laine. Toute la mathématique de base, on va la faire. Et puis, on va pas travailler avec de la laine à chaussettes au départ. On va travailler pareil avec des aiguilles assez grosses, hein, 4 mm. Et de la laine worsted, donc type, comme montrait Ophée tantôt, type Casa par exemple, puisqu'on va faire des bas de lecture pour pouvoir bien comprendre et bien voir ce qui va se passer. Donc, je vous conseille, si vous n'avez jamais fait de bas, d'avoir fait au moins le cours de mitaine avant ou le cours de bonnet. Mais cours de mitaine, ça serait pas mal. Comme vous voyez, c'est un petit peu des modules de design qui sont montés comme un gâteau de mariage avec un socle et puis on grimpe au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des questions pour moi ?
En général, tu peux parler. Alors, aussi. Cécile me demande, est-ce qu'on pourra choisir nos points ? Si c'est pour le design, définitivement, vous pourrez choisir vos points. Hein. On ne va pas faire une basique. Ceux qui veulent faire la basique, bien sûr, surtout si c'est la première, amusez-vous. Si vous avez déjà une base en tricot, vous pourrez choisir vos points. Je vous expliquerai comment vous débrouiller sans aucun problème. Tu peux parler un peu de... Ils vont avoir un groupe Facebook ou un groupe Slack. Attends, je vois une question. Ma question reste pour la gamme design. Adaptée avec des points différents. Oui, oui, tout à fait, hein. On va adapter, de toute façon, le design, c'est vraiment comme une forme et on va mettre les points qu'on veut dessus sans aucun problème. Quelle date pour les cours ? Ça va être en ligne. Ils sont en ligne déjà. Nathalie, je me suis inscrite à 3 cours, j'ai un peu peur, je suis débutante, je fais la couverture en ce moment. Ben, Nathalie, ça va complètement dépendre du type de cours auquel tu t'es inscrite. N'oublie pas non plus que tu peux toujours aller revoir les vidéos, mais oui, je te conseille quand même de faire attention. 3 cours, ça commence déjà à être pas mal, hein, ça devient l'université du tricot, très très cool. Nous pouvons nous inscrire à l'un de vos cours à partir de quand, me demande André. Eh bien, dès maintenant, André, tu peux t'inscrire sur le site internet. Alors, Nancy, pour le cumulus, peut-on le faire en fingering ? Non, Nancy, il est travaillé avec un échantillon de 18 mailles, donc c'est ce qu'on appelle une grosseur à rang. Il ne peut pas se travailler en fingering. Il va falloir la doubler. Ben, doubler un fingering avec autre chose, au moins avec un mohair. Alors, Isabelle, je veux apprendre à faire des bas, mais jamais fait de mitaine. Je peux m'inscrire. Alors, Isabelle, la question auxquelles tu vas répondre, plutôt, ça va être, est-ce que tu as déjà tricoté en double pointe ? Mais Isabelle, je t'ai déjà vu dans les cours, je pense que tu as déjà une base en tricot. Je te prends, viens. Suzanne, est-ce que ça s'adaptera aux grandeurs enfants et adultes ? Alors oui, Suzanne, hein, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que moi, ce que je vais vous montrer, c'est à tricoter des bas, des mitaines et des bonnets pour n'importe quelle taille. De « je sors » J'arrive au monde à beaucoup plus tard. Donc oui, on va voir absolument comment faire pour n'importe quelle grandeur avec n'importe quel fil. Hélène, j'ai déjà fait la tuque. Est-ce que je peux faire les cours de mitaine et de bas seulement ? Mais oui, Hélène, tout à fait. C'est des modules indépendants. Donc tu peux tout à fait t'inscrire aux cours de mitaine et de bas et zapper la tuque. Y a-t-il un escompte si on s'inscrit aux 3 cours de design ? Non, c'est 3 cours différents. Il y a-t-il un nombre limité ? Oui, on limite à 100 personnes. Est-ce que le cours sur le jacquard sera bientôt disponible ? Alors André, en fait, le cours de jacquard, on est encore juste à la moitié. C'est un énorme cours, hein, puisque c'est 14 cours. Donc, il ne va pas se redonner tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu. Ça sera plutôt, je pense, à la rentrée prochaine, puisque j'ai des choses qui sont programmés dans l'année, qui risquent de couper ce gros trimestre-là. Donc peut-être qu'on réfléchira par contre en 2021 à un plus petit cours de jacquard, mais pas un aussi gros cours. Alors André, oui, tous les cours, une fois que vous êtes élève chez nous, toutes les vidéos, elles t'appartiennent, tu peux les revoir pendant des dizaines d'années. Hein, la seule chose, c'est que vous avez des professeurs qui vous encadrent, des professeurs tuteurs qui vont être là pendant les cours. Donc, pendant que les cours commencent jusqu'à ce qu'ils finissent, vous avez des professeurs tuteurs qui vous encadrent pendant la semaine. Donc, même si vous ne me voyez pas en live, vous pouvez poser des questions à l'intérieur des groupes. Mais une fois que le cours est terminé, dans ces cas-là, ben, les professeurs tuteurs ne sont plus là. Les bas, c'est des chaussettes hautes. Ah, Myrtille, une Française. Alors, les bas, c'est des chaussettes. Voilà, c'est tout simplement des chaussettes, en effet. Hautes ou basses, ou... oui, tout à fait. Alors, Nathalie, la casa est adaptée pour les bas, même s'il n'y a pas de nylon. Alors, on va faire ce qu'on appelle vraiment des bas de lecture. Donc, c'est des bas qui sont moins résistants. Tu peux mettre une semelle en dessous ou simplement les mettre pour t'installer dans le canapé ou dans ton lit. Puisque on va prendre vraiment une laine qui va être plus grosse simplement pour vraiment voir ce qu'on fait et bien le comprendre et surtout pour que ça aille rapidement. Puisqu'on va avoir 5 semaines uniquement pour voir toutes les techniques. Les bas vont-ils couvrir des infos les bas vont-ils couvrir les infos pour les débats techniques de randonnée, exemple gauche et droite, justement pour éviter les ampoules, etc. Non Sylvie, on va vraiment aller sur les bas basiques avec tout ce que ça veut dire au niveau mathématique. Est-ce qu'un cours pour le uniforme cardigan ? Alors, le uniforme cardigan, je pense qu'il va revenir, mais en 2021 pour le moment.
Mais oui, le cours uniforme, c'est toujours un cours qu'on va redonner. C'est un cours qui est vraiment formidable. Donc, on va le redonner, ça c'est sûr. Mais ça va être plus en 2021 qu'il va réapparaître. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi? Peut-être juste dire, tu vois, Hugo, Facebook et un groupe Slack aussi. Ah oui, donc très important. Donc, les cours sont donnés sur les plateformes Facebook et YouTube. Voilà, et que vous pouvez décider d'être dans la communauté Facebook ou vous pouvez aussi décider d'être dans la communauté Slack si vous préférez. Confection des côtes vers le pied ou toe-up. Non, on ne verra pas les toe-up, c'est vraiment un cours de base pour les bas, donc on verra uniquement les bottom-down. Donc on commencera par la cheville et ensuite on ira au bout des pieds. Pour le cumulus, on achète le patron à part ou c'est inclus? Non, il faut acheter le patron à part. Et vous pouvez acheter la version en français, mais de toute façon, je vais revenir avec beaucoup plus de détails et de choses comme ça. Mais oui, il n'est pas à l'intérieur du cours, puisque il ne nous appartient pas. Alors, Hélène, est-ce qu'apprendre la méthode continentale nous mélange quand on veut revenir au tricot traditionnel? Non, pas du tout, Hélène. Tu peux décider vraiment. Je te dirais qu'une fois que tu as appris ta méthode continentale, quelque part, tu vas de toi-même faire le choix d'aller dans un sens ou dans un autre. Et y a-t-il une chance que le ranunculus revienne? Il va revenir, c'est obligatoire, c'est pareil, ça fait ce qu'on appelle les marronniers. Donc le ranunculus sera présent. Il va peut-être plus revenir, je dirais, au printemps, puisque c'est souvent un petit pull printanier. Donc oui, il va revenir, c'est sûr. Va-t-on apprendre comment écrire un patron en design? Oui, on va le voir. Je vais vous aider, mais il y a beaucoup de choses pour le côté purement professionnel d'un designer. Donc, je vais donner des choses, mais après le côté purement professionnel, attention, c'est encore quelque part, c'est presque un cours de marketing et design dans ces cas-là. Donc, va y avoir des éléments, mais voilà. Il y en aura, mais c'est pas ça qui... On va voir, Nathalie. Alors, Carole, salut Carole. Quand commence le chandail cumulus? Alors, le cumulus, alors là, tu peux le voir en fait sur la page d'information du cours en tant que tel, Carole, sur le site de la maison tricotée. Mais c'est le 9 décembre. C'est le 9 décembre à 19h. Alors, Sylviane, où trouve-t-on le patron cumulus en français? Je n'ai vu que la version anglaise. Sylviane, quand tu achètes le patron du cumulus, tu vas, en fait, tous les PDF qui vont sortir, ils vont être dans toutes les langues. Donc, tu auras dans ta librairie sur Ravelry la version en anglais, la version en français, etc. Donc, quand tu achètes le patron cumulus, tu as le droit à toutes les versions dans toutes les langues. Il y a d'autres questions pour moi. Quand on s'inscrit au cours sur la TUC, ça inclut quoi? Les cours. Alors, quand tu t'inscris au cours sur la TUC, ça va inclure, Louise, les cours qui vont être donnés. C'est vraiment un cours, d'accord? Donc, ça n'inclut pas ni la laine, ni les aiguilles, d'accord? Par contre, ce que tu vas recevoir, c'est des notes, hein, puisque j'ai des cours qui sont extrêmement documentés. Je pense que la plupart de mes élèves... Et Ben, qui doit les mettre en page, ne le démentiront pas. Donc, je donne énormément de notes de cours, d'accord? Donc, vous avez des squelettes, par exemple, de patrons de tuc. Vous allez avoir des exercices. Vous allez avoir des explications. Donc, tu as tout un cahier d'explications que tu peux imprimer dans chaque cours. Et c'est des cahiers qui sont extrêmement détaillés, vraiment. Le type de talon qui sera abordé dans la chaussette, ça sera le talon en diagonale, vraiment. Ça ne sera pas un talon en rang raccourci. Merci Sylvie. Y a-t-il des patrons achetés pour la tuque bas et mitaine? Non Isabelle, absolument pas, puisque tu vas créer le tien. Donc, il n'y a aucun patron à acheter pour le module design tuque bas et mitaine. Tu vas avoir un cahier de cours et tu vas vraiment écrire un patron pour la chaussette que tu veux, pour la taille, la chaussette, la tuque, la mitaine, pour la taille que tu vas vouloir faire. Combien de pelotes il nous faut pour le cumulus? Alors Sylviane, il suffit de
Est-ce que c'est sur la fiche du cours, hein? Dans le cours ou pas? Les tailles, non, t'as pas la quantité, non. Non, il n'y a pas la quantité. Sylviane, il suffit d'aller dans ces cas-là sur Ravelry, c'est tout noté. Sinon, tu appelles en magasin ou tu nous contactes sur le site et on va pouvoir t'aider sans problème. Andrea, j'hésite entre le Ravelstone et le Cumulus. Ben alors là, Andrea, ça va être un peu à toi de décider. Le Cumulus, il y a quelque part un côté promenade de santé tranquillou, surtout que tu as quand même un bon niveau, Andrea. Donc si tu as envie d'un pull pépère à faire en te regardant Grey's Anatomy, la dernière série, c'est lui. Si tu as envie d'un pull qui va vraiment garder ton attention parce qu'il va falloir compter tes rangs, parce que là ça diminue, là ça, etc. Définitivement, ça va être le Ravelstone. N'oublions pas, hein, le Ravelstone, c'est vraiment un pull qui est extrêmement découpé. C'est un pull haute couture basique. Alors, Marilou, il faut que tu rajoutes 6 heures par rapport au décalage horaire. D'accord ? Mais n'oublie pas, Marilou, que de toute façon, les vidéos, tu peux les revoir quand tu veux. Merci Myrtille. Voilà, Myrtille dit la documentation est trop détaillée. Pour le laminaria, on peut prendre la Merino Fingering de Knitting for Olive. Oui, tout à fait. Nathalie, Céline ne lésine pas sur la documentation. Jamais. Céline a été marquée par son enseignement universitaire. Merci, je vois que j'ai tout le monde qui me fait des super beaux témoignages. Merci les filles, merci. Je vois quel type de talon sera bordé. Ça, je l'ai dit, c'est un talon carré basique, pas de rang raccourci. Joanne, pas choisi, j'ai pris les deux. Bah oui, écoute, tranquillou. T'as raison. Avec plaisir, Andrea. Est-ce que le Ravelstone reviendra au cours de 2020? Alors, 2020, ça ne sera pas possible parce que bon, là, on arrive un petit peu à la fin. Heureusement, d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais on commence à en avoir ras-le-bol de 2020. Mais 2021, oui, on va voir. On va voir parce qu'il y a tellement de choses à enseigner que revenir dessus, des fois, c'est un petit peu, on a envie de découvrir d'autres choses. Donc, je ne peux pas te le promettre. On va voir. Merci, Sylviane. Merci, Véronique. Ah, c'est bien, j'ai plein de compliments. Merci les filles. Mais posez-moi des questions. Mais j'adore les compliments. Allez-y. Je prends ça aussi, hein, sans problème. On va essayer d'ouvrir les groupes Slack et Facebook. Un peu plus de bonheur pour répondre aux questions. Oui. Oui. Donc, on va ouvrir ce que me dit Ben. On va ouvrir les cours Facebook et Slack plus de bonheur. Donc, avant le début des cours, comme ça, si vous avez des questions, etc., on va pouvoir y répondre. Et puis, même si vous voulez partager avant les laines que vous avez choisies, les options et tout, c'est super. Pour les bas, peut-on prendre les petites aiguilles mini Chiaogu? Oui, Carole, mais n'oublie pas que moi, je vais vraiment montrer avec les doubles pointes et je ne vais pas faire de spécificité pour les autres aiguilles. Merci Marie-Claude. Tu vas redonner Ravelstone puisque je vais faire le Ranunculus. Puisque je vais faire le Cumulus. Ah bah oui. Ah bah voilà, Andrea vient de donner la réponse. Hein, puisqu'elle prend le Cumulus, il va falloir que je redonne le Ravelstone. Non, ça va être un petit peu plus compliqué que ça peut-être. Mais Isolda Tigue est pour moi une des plus grandes designers de tricot ever. C'est quelqu'un qui dépasse juste le côté du fond avec, vous savez, des petites couleurs, gna gna gna, des torsades et tout. Elle va sur la forme. Et j'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi merveilleusement bien le côté de la forme. Donc, je n'ai pas vu le Ravelstone. C'est pas Ravelstone, c'est le Ravelstone, Marilou. Oui, c'est du jersey, je vais te le remontrer. Alors, hop, je vais juste le mettre. Alors, j'ai juste 300 000 couches sur moi, mais je vais vous le mettre. Alors, je l'avais fait un petit peu petit, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir voir à quoi ressemble un travail de design. Donc, c'est un chandail qui est près du corps à peu près, d'accord? Christine, non, la programmation en janvier, elle va changer, d'accord? On n'est pas sûr, on ne redonne pas exactement la même programmation à chaque fois. Mais promis, c'est quand même des belles programmations qu'on vous prépare. Donc, celui-là est un petit peu
Je veux dire, il ne faut pas que je le mette après le temps des fêtes, d'accord? Mais voilà. Hop! Je ne me vois pas de dos, hein, c'est toujours le malheur des femmes, mais voilà. Donc voilà, c'est vraiment un pull qui est super bien coupé. Là, je vous dis, il est un petit peu petit pour moi, mais c'est vraiment un pull qui est découpé au cordeau. Voilà, donc très très beau cintrage, travail du dos, travail au niveau de la poitrine, travail au niveau du haut des manches. C'est super beau travail. Donc si vous voulez un basique splendide à mettre par-dessus un très très beau pantalon, même un jeans et tout, c'est the basique que vous voulez. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas... voilà, là je suis avec mon sac à patates, hein, mais je l'aime beaucoup ce pull-là. Mais c'est très 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 beau. Voilà Joanne, c'est exactement ça. Joanne, elle a tout résumé. On fait le Ravelstone pour les techniques et le Cumulus pour la promenade. C'est exactement ça. Et j'ai mis mon pull à l'envers. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais oui, je suis contente de vous avoir montré le Ravelstone quand même. C'est un... C'est vraiment du très très beau travail. Oups. Se rhabiller, c'est toute une affaire devant une caméra. Voilà. J'ai pas d'expérience, hein, heureusement. Alors, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi? Ça semble pas. Ok. Excusez-moi, je vois ce que vient de marquer Dani. Merci beaucoup pour ce très très beau compliment. Benoît ne fait pas que rire la foule, il fait énormément de travail derrière. Je peux te promettre que son travail est bien au-delà de faire rire, vraiment. C'est un travailleur essentiel à la maison tricotée. Avec sa recette de Margarita. Ah oui. Et lorsque l'on a du ventre, on les met où les pinces? Ah, t'es vase, t'es vase. T'es vase. Oh, merci beaucoup, Nicole. Oh, ben, je pensais pas qu'on allait avoir et des compliments et des questions. J'arrive. Marie-Josée, oui, on va recevoir d'autres mohair knitting for Olive. On en a reçu d'ailleurs, hein. On en a quand même pas mal, mais on essaye d'avoir toujours un stock très présent. Oui, bien sûr, Camille, si t'es à l'aise avec la Magic Loop, tu peux faire les bas, les Wanderer Slippers d'Ophélie avec la Magic Loop. Anne, il me semble que le Cumulus soit de construction intéressante. Alors, le Cumulus, pour moi, c'est un basique, d'accord? C'est vraiment une construction avec les augmentations intercalaires, mais après, c'est tout droit. C'est pour ça que, pour moi, je le trouve rigolo à faire, tu vois, c'est vraiment... ben, je vais me faire mon Grey's Anatomy tranquillement avec, mais je ne vais pas me mettre le cerveau au courbouillon avec, d'accord? Avec le Ravelstone, on passe quand même à un niveau supérieur, puisqu'il va se passer quelque chose à peu près tous les 8 ou 10 rangs, il se passe quelque chose. Puis il y a un travail du haut de la manche en rang raccourci, puis il y a un travail au niveau de l'encolure et tout. On est dans un travail qui est beaucoup plus précis. Mais c'est juste que, voilà, c'est un peu le côté forme carrée pour moi, c'est cool, mais une fois que tu sais comment faire un raglan et la mathématique des raglans, des pulls comme ça, tu peux en faire, à la tonne, tu vois. Voilà, mais travailler comme Isolde Attig le fait, avec un travail sur les rangs raccourcis pour vraiment... ajuster au niveau de la poitrine, faire un cintrage sur les côtés, faire un cintrage sur le dos, faire un travail de cape de manche. Ça, c'est un travail qui demande une très, très grande expertise au niveau du design. On est sur la fin. Ouais. Ça fait une pression bonne, hein, 50 minutes. Ah bah oui. Quelle est la date du cours débat? Alors, ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez aller voir sur la page de notre... sur la page du site internet et vous avez toutes les dates et les détails pour tous les cours.
Là, je peux pas te le sortir parce que je m'en rappelle pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est les lundis. Mais tous les détails au niveau des dates et des heures, c'est sur la page internet de notre site. Ah, ok. Alors, on se voit demain pour le cumulus, le nuage cumulus, c'est cute. Trop de choix, dit Marie-Claude. Vas-y, au premier coup de cœur. Moi, je dis ça, puis je prends toutes les laines, donc c'est ça, mes premiers coups de cœur. Ok, je les prends toutes. Celui qui a le plus de design, c'est le bleu que tu portes. Oui, c'était le Ravelstone. Définitivement, le travail du Ravelstone, c'est celui qui a le plus de technique et de design, définitivement. Pour le châle, est-ce que la laine teinte à la main avec d'une nuance est intéressante pour ce projet ? Absolument pas, Roxane. Surtout, évite ça à 100%. Les motifs sont très petits, surtout au début. Donc, Roxane, il faut aller sur de la laine unie et si possible claire. Sylviane, t'es inscrite à quel cours, Sylviane ? Je veux savoir. Mais ça me fait plaisir, je vois qu'on a plein d'élèves, plein d'anciens élèves qui rempilent. On se retrouve pour le bonnet Beer Malène est acheté. Cool. Bon, mais en tout cas, n'hésitez pas ou à appeler en boutique ou à parler avec nous via le site internet ou à passer en boutique. On va vous aider, d'accord? Ah, Cumulus et Continental. On va avoir du fun. On va en avoir du fun. Ok. Bon, ben écoutez, je vais aller manger. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez peut-être aller manger aussi, mais ça a été un plaisir de vous présenter cette programmation pour les trois mois qui s'en viennent. On va avoir beaucoup de plaisir avec Ophé, avec Clara. N'oubliez pas qu'on a les professeurs tuteurs qui sont derrière. Vas-y pour le Ravelstone, Sylviane, tu vas voir. Moi, je m'inscris à presque tout car de toute façon, ils sont en banque pour toujours. Ben oui, Louise, tout à fait. Merci Marie-Lou. Je vous embrasse. On se retrouve très très bientôt. On va avoir du fun et on va avoir des magnifiques tricots dans notre garde-robe. À très bientôt. Bye bye.